La tournée de Ninette Tayyab, il faut l'admettre, était un bon prétexte pour approcher la chanteuse la plus populaire que le pays ait comptée depuis ces 10 dernières années. L'enfant de Kiryat Gat, qui a grandi au son des chanteurs populaires israéliens, colle à l'image que l'émission qu'il a révélée lui a donnée. Ninette est une véritable cendrillon des temps modernes. La consécration Ninette l'obtient l'été dernier avec cette chanson, qui devient très vite un tube, extrait de son dernier album. Aujourd'hui, on peut parler de véritable phénomène. Ninette est devenue l'image de marque des success stories à l'israélienne. La jeune fille est invitée sur tous les plateaux, pose dans tous les magazines et est diffusée sur toutes les radios. Qui se souvient de la jeune fille timide de ses débuts peut apprécier le changement. La chanteuse sait aussi se faire diva et prend la pause. Cette semaine, elle est en couverture de Pnaï Plus. Et Ninette sait jouer le jeu de la célébrité, à l'aise dans tous les rôles, aussi bien en star rock au look gothique qu'en jeune fille glamour sophistiquée qui donne des conseils de maquillage, ici dans une émission pour les jeunes. סוג של בובה שאומרים לי מה לעשות שיש לי מיליון מנהלים ומיליון עוזרים ויועצים וכל השטויות האלה זה לא ככה בכלום אני בן אדם כמו שאתה מחליט החלטות בעצמך כך גם אני אני לא אתייפה ואני לא אתחסד אבל אני שוב אני אומרת לך אני מעדיפה להתעסק בדברים החשובים באמת Et si la chose la plus importante pour Ninette est la musique, alors ses vœux ont été exaucés. Son clip vient d'être classé second par la chaîne de musique MTV Europe, juste derrière Madonna. Un bon encouragement pour passer à l'étape suivante. Le Cham.